Bien-aimés, la parole de Dieu ce matin sera tirée dans le livre de Matthieu au chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Donc, le texte de base, Matthieu chapitre 28, verset 16 au verset 20. Alors, je fais la lecture. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, bienvenue ce matin. Je voudrais tout simplement vous parler sous le thème « Le mandat suprême ». Le mandat suprême. Un mandat est un acte par lequel on donne à quelqu'un le pouvoir de parler ou d'agir en son nom. C'est ça un mandat. Je te donne le pouvoir de parler ou d'agir en mon nom. Alors, quand on parle de suprême, suprême veut dire qui est au-dessus de tout. Qui est au-dessus de tout. Alors, j'entends donc par mandat suprême le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs qui nous a été donné de parler ou d'agir au nom de Jésus. Bien-aimés, en dehors de la mission de Jésus sur terre, il devait aussi former les 12 disciples qui devaient plus tard perpétuer ses enseignements. La mission qu'il avait commencée sur la terre, Jésus à lui seul ne pouvait pas accomplir la mission pour laquelle il était venu sur terre. Alors il a fallu qu'il forme les disciples qui allait perpétuer cette œuvre. Mais nous constatons que 3 ans et demi de ministère n'étaient pas suffisants pour le Fils de Dieu, pour pouvoir impacter l'humanité tout entière. Nous savons que Jésus avait 3 ans et demi de ministère. Amen. 3 ans et demi. Et en 3 ans et demi, il ne pouvait pas atteindre tout le monde entier. Ce n'était pas possible. N'a-t-il pas dit, je suis venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël? Lui-même le disait chaque fois, je suis venu pour les brebis d'Israël. Souvenez-vous de cette femme qui est venue vers Jésus, à qui Jésus a dit, je suis venu pour les brebis d'Israël. Et la femme a répondu en disant que, mais Seigneur, quand on mange à table, quand même les miettes tombent, même les chiens viennent ramasser les miettes. Comme pour dire que elle n'étant pas partie de la maison d'Israël, les personnes pour lesquelles elle est venue, elle pouvait quand même bénéficier de cette grâce. Donc Jésus est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Alors en dehors de son pays, il n'est allé nulle part.
nulle part, sauf une seule fois. Lorsque son pays l'a rejeté, alors il a fui en Égypte. Vous rappelez, lorsque Hérode voulait tuer Jésus, alors il a fui, il allait en Égypte, s'est réfugié. Alors l'Afrique a accueilli Jésus pendant un bon nombre d'années. Mais plus tard, Jésus va retourner vers Israël, le peuple de l'Alliance, le peuple de qui il avait été envoyé en premier. Alors, plusieurs fois, il doit avoir des indications avec ceux pour qui il est venu. Et il faut même le rejeter. Parce que le peuple, les gens pour qui même Jésus est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Alors, la première, en fait, nous pouvons voir à Nazareth, avec ceux qui l'ont vu grandir. Lorsque Jésus est arrivé à Nazareth, annonçant la bonne nouvelle, mais ils ont dit, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie? N'est-ce pas lui que nous avons vu grandir? Alors, ceux-ci l'ont vu grandir, ils l'ont rejeté. D'où le fameux dicton, un prophète n'est jamais reçu chez lui. Oui, un prophète n'est jamais reçu chez lui. Une autre fois, en Galilée, Jésus sera stupéfait à cause du manque de foi de ceux pour qui il a été envoyé. Je dis, il était stupéfait à cause de leur manque de foi, au point où il va rencontrer un Romain, quelqu'un qui n'était pas le fils descendant d'Abraham, qui va lui manifester une foi qui va l'émerveiller. Et il va dire, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. C'est un étranger qui va nous manifester une foi que Jésus lui-même va témoigner en disant, une telle foi, je ne l'ai jamais vue en Israël. Je ne l'ai jamais vue en Israël. Alors, bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Les personnes de qui il avait été envoyé l'ont rejeté. Est-ce que vous saisissez? Les personnes de qui il avait été envoyé l'ont rejeté. Ce sont ceux vers qui il n'a pas été envoyé en premier qui l'ont accepté. Il avait été envoyé en premier d'abord pour le peuple d'Israël, d'abord pour eux et ensuite pour les autres, d'accord? Mais ceux pour qui il avait été envoyé en premier l'ont rejeté. Mais c'est ceux-là qui, n'est-ce pas, pour qui il avait été envoyé en premier, qui l'ont accepté. Je peux tout simplement dire à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle dans le principe spirituel, la loi du premier et la loi du second. Est-ce que quelqu'un peut dire la loi du premier et la loi du second? Oui, la loi du premier et la loi du second, c'est en fait le principe des priorités. Nous constatons dans les Saintes Écritures que le premier est toujours rejeté et ce qui vient après est meilleur. Nous constatons que le premier est comment? Rejeté, mais ce qui vient après est comment? Est meilleur. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Prenons l'Ancien Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est meilleur que l'Ancien Testament. Vous convenez avec moi. Parce que la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau, quand du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, elle est meilleure. La Bible dit qu'elle est meilleure que l'Ancien Testament. Que l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Regardez bien aimé ce qui se passe entre le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, c'est qui? Adam. Adam et Ève, qui est le second Adam? Jésus. C'est Jésus. Regardez le premier et le second Adam. Le premier Adam est comment? Il est rejeté. Et le deuxième Adam est accepté. Regardez le premier fils d'Abraham, Ismaël. Ismaël est
rejeté et le second fils est accepté. Amen. Regardez, le fils d'Isaac, Esaïe est rejeté et Jacob est accepté. Dieu, ce matin, veut tout simplement communiquer un message à son peuple. Dieu, ce matin, veut te communiquer ce message selon lequel chaque fois que vous avez raté quelque chose pour la première fois, ne vous découragez pas. Parce que ce qui vient toujours après est meilleur. Amen. Je n'ai pas compris ton amen. Amen. Si tu ne dis pas grand amen, je vais m'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as raté quelque chose pour la première fois, alors ne te décourage pas. Parce que ce qui vient toujours après est comment? Est meilleur. Peut-être, je dis bien peut-être, tu as connu quelqu'un qui a brisé ton cœur. Mais laisse-moi te dire, tu dois rencontrer une autre personne qui viendra, je dirais, réconcilier ton cœur. Amen. Amen. Parce que tu es blessé. Peut-être, tu as perdu un boulot. Mais je vais te dire, le travail que tu vas avoir sera meilleur que ce que tu as perdu. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, souvenez-vous, sur la croix, au milieu des doutes, de la souffrance, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en passant, je voudrais prophétiser dans ta vie en disant que le mois qui arrive sera meilleur que ce mois-ci. Amen. Je ne comprends pas ton amen. Gloire à Dieu. Je dis bien, le mois qui arrive sera meilleur que le mois qui arrive. Alors, imaginez-vous sur la croix, ceux-là qui l'ont crucifié, ceux-là qui l'ont tué. Jésus dit, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Amen. Écoute-moi très bien ce matin. Si le Fils de Dieu t'a affranchi quand il était sur la croix, je dis bien, s'il t'a affranchi quand il était sur la croix, combien de fois, quand il est assis sur le trône, la Bible dit, il est assis où? Sur le trône, à la droite de Dieu, à la droite du Père. La Bible dit qu'il nous condamnera si le Fils de Dieu nous a affranchis. Qui nous condamnera? La Bible dit, nous avons été libérés de toute forme de condamnation. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Bien aimé, la manifestation de la puissance de Dieu qui est en toi dépend, je dirais, de ta conscientisation. Je dis bien, la manifestation de la puissance de Dieu en toi dépend de ta conscientisation. Amen. Si tu n'es pas conscient de qui tu es, de la présence de Dieu dans ta vie, de ton statut en tant que chrétien, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester dans ta vie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui entre dans un supermarché. Il a des millions, je ne sais pas, peut-être il a un oncle, une tante, un homme de la famille qu'il a désigné son héritier. Est-ce que vous comprenez? Et dans son héritage, il a des millions, mais il ne connaît pas. Alors il entre dans un supermarché, il y a des choses qu'il voudrait bien avoir. Mais il se dit qu'il n'a pas les moyens. Pourquoi? Parce qu'il ignore son héritage. Il ignore qu'il est un millionnaire, qu'il est un milliardaire. De même, il y a des chrétiens, je dirais, qui entrent dans des supermarchés spirituels. Amen. Alors, ils veulent des choses, mais ils ne savent pas qu'ils ont les moyens de pouvoir se procurer ce qu'ils désirent.
manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie dépendra de ta conscientisation. Bien-aimé, il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, d'être conscient de notre statut en tant que tel. Dieu lui-même se plaint en disant, mais je vous avais dit que vous êtes des dieux avec petit d, mais cependant, vous périssez, cependant, vous mourrez comme des moindres. Donc Dieu se plaint en disant que ce qui vous arrive en d'autres mondes ne devrait pas vous arriver. Parce que vous êtes des dieux. Prenez conscience de qui vous êtes. Ayant pris conscience de qui vous êtes, la puissance de Dieu pourra pleinement se manifester dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que nous ignorons qui nous sommes. Et quand vous ignorez qui vous êtes, alors vous demeurez sous les griffes de l'ennemi. Vous demeurez dans le mal. Dis à quelqu'un, prends conscience de qui tu es. Martine, prends conscience de qui tu es. Prends conscience de qui tu es. Tout ce que tu vas recevoir, la puissance, bien-aimé, tout ce que tu vas recevoir, tout ce que tu vas concevoir. Alors, je viens prier ce matin afin que tu reçoives la puissance de Dieu pour pouvoir l'accomplir. Je dis bien, reçois la grâce de Dieu pour pouvoir l'accomplir. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le fait que nous soyons inconscients, parce qu'il est temps de prendre conscience de qui nous sommes, c'est très important. Amen. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, le diable joue au football avec toi. Tu deviens comme un ballon entre les pieds du diable. Hein? Il te tue, il te donne là où il veut. Mais prends conscience de qui tu es. Et alors, la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Tu vas entrer pleinement dans ton héritage, en possession de ton héritage. La Bible donc dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je vous pose la question, bien-aimé. Quand le président habite dans une maison, comment on appelle cette maison? Quel est le nom qu'on donne à cette maison? Une maison présidentielle. Une maison présidentielle. Amen. Une maison comment? Présidentielle. Alors, si, je ne sais pas, le président des États-Unis habite ici, décide que ça c'est sa maison, alors on appelle ça la maison présidentielle. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, est-ce que vous comprenez, est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Votre corps est la maison de Dieu. Écoute-moi très bien. Si le Tout-Puissant habite en toi, alors tu deviens comment? Mais vous savez tout, vous avez peur de le dire? Tu deviens Tout-Puissant. Si le Tout-Puissant habite en toi, alors tu deviens comment? Mais tu deviens Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Parce qu'il est en toi. Alors si le Tout-Puissant habite en toi, alors tu deviens comment? Mais tu deviens Tout-Puissant. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a compris que si Dieu était en lui, que si le Tout-Puissant était en lui, alors il est capable de tout accomplir. Bien-aimé, si Dieu est en toi, si Dieu, si le Tout-Puissant habite en toi, laisse-moi te dire, tu es capable de tout accomplir par lui, sa force, lui qui habite en toi. Je ne comprends pas, amen, ce matin. Amen. Bien-aimé, tu es capable de tout accomplir.
Je prophétise dans ta vie, tout ce que tu vas entreprendre ce mois, aucun ne doit échouer au nom de Jésus. Amen. Je dis aucun de tes projets ne doit échouer au nom de Jésus. Amen. Si j'étais à ta place, je devais déjà commencer à programmer les choses ce mois. Amen. Amen. Oui, je devais déjà commencer à planifier. Bien-aimé, Jésus dit ensuite, voilà où le bât blesse. Il dit, allez, allez, faites des nations des disciples. Bien-aimés, beaucoup reçoivent la puissance du Saint-Esprit, mais ils restent et dorment à la maison. Beaucoup reçoivent le Saint-Esprit, mais ils dorment. Le don des guérisons ne peut que se manifester devant les malades. Amen. Gloire à Dieu. C'est en évangélisant que la puissance de Dieu pourra être active. Il dit, allez sur la base que vous avez reçue, la puissance. Allez sur la base que vous avez reçue. Allez, faites des nations des disciples. En d'autres mots, allez produisez des disciples, produisez des gens qui comprennent que tout pouvoir leur a été donné. Si tout pouvoir a été donné à Jésus, parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est ce qu'il dit aux disciples, n'est-ce pas? Tout pouvoir m'a été donné. Il existe combien de pouvoirs sur la terre? Il dit tout pouvoir. Le pouvoir exécutif, le pouvoir militaire, le pouvoir législatif, tous les pouvoirs, tout et même ce que vous ne soupçonnez pas, tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir. Et si celui à qui tout pouvoir a été donné habite en vous, mais vous devenez tout puissant. Amen. Amen. Alors, vous serez en mesure de tout accomplir. Vous serez à mesure de tout accomplir. Bien-aimé, est-ce que vous savez que le G3 est devenu le G4 et le G7? Alors, le Brésil et la Chine sont entrés. Hein? Alors, quand on parle du G7, ce sont en fait les 7 pays les plus industrialisés du monde. Amen. Les 7 pays les plus industrialisés. Alors, quand il y a des décisions importantes, très souvent ce sont ces pays-là qui s'asseyent et qui décident. Amen. Jésus dit, allez, produisez. Produisez, parce qu'avant, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui décidait de l'avenir de l'humanité et à qui tout était possible. Avant, tout était possible, bien que à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que j'appelle en quelque sorte le G3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui décidait. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien sur la terre? Ce sont eux qui décidaient. Alors, après la mort et la résurrection de Christ, le G3 est devenu le G4. Amen. Le G3 est devenu le G4. Ce n'est plus seulement pour la Trinité que tout est possible. Est-ce que je me fais comprendre? Ma Bible dit dans Marc, chapitre 9, le verset 23. Marc, chapitre 9, le verset 23. Jésus dit, tout est possible pour celui qui croit. Tout n'est plus seulement possible pour Dieu, mais tout est aussi possible pour celui qui fait comment? Qui croit.
Ça veut dire, tu fais partie. Ce n'est plus le G3, mais c'est le G4 avec toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est possible pour celui qui croit. Et dans Luc, je peux aller plus loin, Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est une façon de vous dire, c'est une façon en fait de dire, vous avez le droit de veto. Amen. C'est une façon de dire, vous avez le droit de veto. Est-ce que tu t'es déjà le droit de veto? Le droit de veto fait partie du mandat que Dieu nous a donné. Amen. Le droit de veto fait partie du mandat qu'il nous a donné, du pouvoir qu'il nous a délégué. Nous avons le droit de veto. Le veto, c'est quoi en fait? Le veto, en fait, est une formule à laquelle avait recours le tribunal du peuple Rome lorsqu'il s'opposait au décret du Sénat. Alors, le droit de veto, c'est un droit conféré à une autorité de s'opposer à la promulgation d'une loi votée, à l'adoption d'une décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une décision qui est appliquée, hein? Alors si toi, tu lèves ton droit de veto, la décision, la loi n'est plus promulguée. Parce que toi, tu es contre, tu as levé ton droit de veto. Même s'il y a 100 personnes, si vous êtes 100, 99 sont d'accord et toi, tu dis que tu n'es pas d'accord, la loi n'est pas adoptée. Amen. Parce que tu as quoi? Le droit de veto. Prenons quelques exemples. Prenons l'exemple de la Syrie. Vous connaissez la Syrie, vous avez entendu à une certaine époque la Syrie qui est en guerre, les problèmes, tout ce qui se passe actuellement. Alors à un moment, les Nations Unies étaient bloquées pour savoir s'il fallait frapper, attaquer la Syrie. Est-ce que vous comprenez ou pas? Pourquoi est-ce qu'ils étaient bloqués? À cause, parce que la Russie en fait et la Chine ont mis le droit de veto. Tous les autres pays membres, n'est-ce pas, des Nations Unies, tous les autres pays étaient d'accord qu'on frappe la Syrie, qu'on aille en guerre contre la Syrie, vous comprenez? Mais il y a deux pays qui ont levé le droit de veto, nous ne sommes pas d'accord, et ça a bloqué la loi. Ils ne pouvaient pas aller en guerre contre la Syrie, on ne pouvait pas attaquer la Syrie. Est-ce que vous comprenez? À cause du droit de veto. Bien-aimés, si tous vous êtes d'accord et qu'il y a une seule personne qui met son droit de veto, on ne peut pas agir. Ce n'est pas possible. Dieu t'a donné la capacité de mettre le droit de veto dans ta famille. Je n'ai pas compris. Amen. Amen. Il t'a donné quoi? La capacité de mettre ton droit de veto dans ta famille. C'est-à-dire, les sorciers disent que ta famille doit mourir. Même Dieu, il regarde les péchés des membres de ta famille. Il dit que non. Même à cause des péchés-là, hein, ils doivent mourir. Non, ils vont mourir. Mais toi, tu veux te lever. Tu mets ton droit de veto et tu dis, ils ne mourront pas. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, tu peux mettre ton droit de veto afin d'annuler les plans, les projets de l'ennemi dans ta famille. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? C'est un problème de conscientisation. Nous n'avons pas pris conscience de qui nous sommes. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a utilisé son droit de veto. Il s'appelle Ézéchias. Connaissez-vous l'histoire d'Ézéchias? Ah oui. Bien-aimé, la maladie avait dit, tu dois mourir. La maladie avait dit, tu dois mourir. Le diable avait dit, tu ne vivras pas, tu dois mourir. Hein? Les sorciers étaient convaincus que non, tu vas
tu vas mourir. Dieu lui-même avait dit que non, tu vas mourir. Et Dieu avait même envoyé Élie, son serviteur, lui dire de préparer sa maison parce qu'il va mourir. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a sorti son droit de veto. Amen. Gloire à Dieu. Il a sorti son droit de veto. Il a dit non, Seigneur. Non. Souviens-toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Il s'est opposé. Est-ce que vous comprenez? Même Dieu était d'accord qu'il meure. Parce qu'il était malade. Il était sur le point de mourir. Dieu a envoyé son serviteur lui demander de mettre de l'ordre dans sa maison. Avant de mourir, le gars a dit non. Il a mis son droit de veto. Il a dit quoi? Non. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu fais partie du G4, ce n'est plus le G3. Amen. Amen. Même le Seigneur prend en compte tes décisions. Gloire à Dieu. L'ennemi peut décider que c'est fini pour toi. Les hommes peuvent décider que c'est fini pour ta famille. Mais bien-aimé, tu as le droit de te servir de ton droit de veto. Quelqu'un dit, je refuse de mourir. Est-ce que tu peux dire, je refuse de mourir? Je refuse de mourir. Est-ce que tu peux dire ce matin, je refuse de mourir? Je refuse de mourir. Je ne comprends pas, dis de toutes tes forces, je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'enterrer des enfants. Je refuse d'enterrer des enfants. Je refuse de vivre dans la stagnation. Je refuse de vivre dans ma stagnation. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Bien-aimé, tu as le droit de veto. Amen. Tu as le droit. Et à compter de ce jour, je voudrais que tu te serves de ce droit. L'homme peut dire que c'est fini pour toi. Qui est l'homme pour dire que c'est fini? Amen. Bien-aimé, prends conscience de qui tu es. Quand tu sors d'ici, mets-toi en tête. Tout n'est pas seulement possible à Dieu, mais tout est aussi possible pour celui qui croit. Amen. Tout est aussi possible pour celui qui croit. Comme Jésus a dit à Marthe, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire, si tu crois, alors tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Amen. Tu verras la gloire du Tout-Puissant dans ta vie. Et pour finir, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, tous les jours. Bien aimé, je voudrais tout simplement dire, Jésus ne t'a jamais abandonné. Même quand nous l'abandonnons, il ne nous abandonne jamais. La Bible déclare, une femme rejette-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Bien même quand elle le fera, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est Dieu qui pose la question. Il dit, est-ce qu'une femme peut-elle rejeter l'enfant qu'elle a mis au monde, le fruit de ses entrailles? Est-ce que c'est possible? Et puis il continue en disant, bien même quand elle le fera, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Parce qu'il y a certaines femmes, ce n'est pas tous, il y a certaines qui rejettent le fruit de leurs entrailles. Amen. Oui, il y a certains qui rejettent. Il y a certains. Elle tombe enceinte, elle préfère aller enlever, avorter. Certains m'accouchent et puis s'abandonnent. Alors Dieu dit, bien même quand elle le ferait, même
je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Bien-aimé, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous tous les jours, tous les jours. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Amen. David pouvait dire, j'ai constamment l'Éternel à mes côtés. Amen. Alors, je ne chancelerai pas. Amen. David pouvait reconnaître la présence constante de l'Éternel à ses côtés. Et par conséquent, il ne pouvait pas fléchir, il ne pouvait pas chanceler. Il était rassuré. Amen. Je voudrais te dire, dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie, le Seigneur est avec toi. Ne pense pas que le Seigneur n'est pas avec toi quand tout va mal. Quand tout va mal. Non! Est-ce que vous comprenez? Même dans les pires moments, même dans les moments obscurs, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Je voudrais tout simplement te rassurer, le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Il était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Est-ce que vous comprenez? On les a jetés dans la fournaise pour les détruire. On a jeté 3 personnes, mais on en a perçu combien? 4. La 4e personne, c'était Jésus qui était avec eux. Est-ce que vous comprenez? Il est avec nous dans les pires moments de notre vie. Bien-aimés, soyons conscients de cela. Et si nous sommes conscients de sa présence avec nous, dans les épreuves, dans le monde difficile, alors la puissance de Dieu va se manifester afin que nous puissions sortir de ces épreuves. Amen. Amen. Si nous ignorons sa présence, si nous ignorons qu'il est avec nous, c'est donner un avantage à l'ennemi. Mm. Dis-toi bien, le Seigneur est avec moi. Il ne m'abandonnera pas, il ne m'abandonnera jamais. Amen. En fait, il est même à moi, parce que mon corps est le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Le Tout-Puissant habite à moi. Le Tout-Puissant habite à moi. Alors, tu dois sortir ce matin avec cette joie. Je voudrais que tu sortes avec cette joie dans le cœur. Je voudrais ce matin qu'en sortant, que tu puisses penser, avoir cette pensée de le Tout-Puissant habite en moi. Alors je suis Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Amen. Je suis Tout-Puissant. Alors, bien-aimé, je voudrais prier pour toi ce matin. Je voudrais prier parce que le Seigneur a un plan pour toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Le Seigneur t'a délégué. Il t'a donné le pouvoir afin de pouvoir parler à son nom, afin de pouvoir agir, n'est-ce pas, en son nom. Ce matin, je prie que le Seigneur puisse te fortifier. Je prie que le Seigneur puisse te donner de prendre conscience de qui tu es exactement en Jésus-Christ. Qui te donne de prendre conscience. Prends conscience, bien-aimé. Ta conscientisation, ne l'oublie pas, produira la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Nous souffrons très souvent. Nous manquons nos bénédictions parce que nous ignorons qui nous sommes. Nous ignorons le dépôt de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, tu es l'enfant de Dieu. La Bible dit, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. As-tu une image? Je dis bien, as-tu une image de l'héritage que tu as? Je pense que c'est au-delà de ce que tu peux penser. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer. L'homme et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit, il nous a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Rappelle-toi, il y a plus de 2000 ans, Jésus a dit, tout est accompli. Sur la croix,
Il a pourvu à ta guérison. Bien-aimé, si le Tout-Puissant habite en toi, comment la maladie peut-elle résister? Comment la maladie peut-elle être là? Prends conscience de qui tu es. C'est pourquoi je voudrais prier pour toi ce matin. Que toute maladie qui se trouve dans ton corps soit chassée au nom de Jésus. Par le mandat, je parle du mandat suprême qui m'a été donné, qui nous a été donné de parler et d'agir au nom de Jésus-Christ. Jésus m'a dit, tout ce que nous allons lier sur terre, même dans les cieux, sera lié. Amen. Tout ce que nous allons déclarer, décréter sur la terre, il en sera ainsi au ciel. Je commande donc à cette maladie, dans tes poumons, dans ton cœur, dans ton système circulatoire, dans ton système lymphatique, je commande à cette maladie, dans ton dos, dans tes jambes, je commande à cette maladie, quelle que soit l'origine, où qu'elle se trouve dans ton corps. La Bible dit ton corps, c'est le temple de l'Esprit. Le temple de l'Esprit Saint et non le temple de la maladie. Bien-aimé, tout est possible pour celui qui croit. Si tu crois que Jésus t'a guéri il y a plus de 2000 ans, bien-aimé, reçois cette guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Reçois ta libération au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare afin que s'accomplisse ce que Esaïe le prophète a déclaré dans Matthieu 8, verset 17. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, souviens-toi qu'il était humilié à cause de nous. Il était frappé. Il était rejeté. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Reçois la guérison, bien-aimé. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que la puissance libératrice, que l'onction de délivrance s'empare de toutes les parties de ton corps. Oui, que la puissance, que l'onction qui brise le joug s'empare de toi. Et que le joug de cette maladie soit brisé au nom de Jésus. Amen. J'ai dit soit brisé au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, la Bible déclare, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Par un chemin, ils viendront, mais par sept chemins, ils s'en iront. Quels sont les ennemis qui sont tout autour de toi? Bien-aimé, je commande ce matin, par sept chemins, je disperse tes ennemis au nom Amen. De Jésus. Amen. La mort prématurée ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. La stagnation ne sera pas ton héritage au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Amen. Je réclame pour toi l'esprit de la tête et non l'esprit de la queue. Amen. Que tout ce qui t'amène à reculons, que cet esprit de régression dans ta vie soit détruit au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu pour exceller soit ta portion ce matin. Amen. Bien-aimé, je voudrais déclarer ce matin dans ta vie que ce mois, je parle de ce mois de septembre, qu'il soit meilleur que le mois passé. Amen. Tout ce que tu entreprendras ce mois, cela te réussira au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit cela te réussira au nom de Jésus. Amen. Cela te réussira au nom de Jésus. Amen. Ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Éternel t'accorde la grâce de savoir exactement qui tu es en Jésus. Amen. Merci Seigneur. Qu'il te donne de prendre conscience de qui tu es. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles. Que tout ce que vous touchez
que cela puisse vous réussir. Que le mandat suprême, que l'autorité suprême du Christ vous accompagne. Que le Seigneur t'accorde la grâce de te lever. Comme je vous disais hier, lève-toi parce que la lumière de Dieu arrive. La puissance de Dieu veut se manifester. La gloire de Dieu veut se manifester. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la méditation. Et le Seigneur agira. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.